Tu m'entends pas là? Je comprends pas des fois. J'ai rien fait du tout. J'ai rien changé dans mes paramètres et tout, et je comprends pas ce bug. Ou vous, des fois vous entendez, des fois vous entendez pas. Donc là, ça, ah, c'est là. Donc, comme je disais, heureusement que vous étiez pas là au début du stream parce que je commençais à m'endormir, c'était. Je faisais n'importe quoi. Sachant que je m'endormais en étant en moto. C'était un peu. C'était pas terrible comme gameplay. Rien à regarder. J'aimerais un peu de chiffon et de stérilisant. Parce que j'ai plus rien. J'ai quand même 8 chiffons, ça va. Donc du coup, comme je disais, mais vous avez pas entendu. Je suis sur le platine, j'essaye de finir l'émission. Je comprends pas ce que le jeu me montre. J'essaye de finir l'émission post-game. Tout à l'heure, je suis allé sur la tombe de Iron Mike et j'ai retrouvé Lisa. Lisa qu'on avait sauvée puis qui avait été kidnappée par les Reapers. Maintenant elle est chasseuse de primes. Elle est un peu devenue comme une drifteuse. Oh! Ils sont pas prêts eux pour ce que je vais leur faire. Et maintenant, je dois aller rejoindre O'Brien. Justement, je me demandais ce qu'il était devenu. Donc, on va enfin en savoir un peu plus. On va enfin pouvoir le revoir. Il faut que j'aille rejoindre O'Brien, qui doit m'expliquer quelque chose d'important, selon lui. Je ne sais pas trop. J'aimerais bien passer au-dessus. Mais je ne vois pas comment. Ah, peut-être par là. Prendre un peu de hauteur pour les prendre par surprise. Moi, ouais, je sais pas, il part bien caché, hein. Pas vraiment moyen de me cacher mieux. Bon, c'est un peu nul, mais toujours ça. I heard someone. Me dis pas que. Oh, elle me voit, je suis au bout. Vite. Avant qu'il tue les. Voilà. Avant qu'il tue les otages. J'arrive à vous libérer, les gars. Non? Je peux pas les libérer? Je comprends pas. Alors là, c'est l'interrogation la plus totale.
Je vais pas les laisser là. Est-ce qu'il faut que je les tue? Ben non, ce sont des... Mais... Ah, c'est full buggé, j'ai l'impression. Écoute, je vais les laisser là, hein, si j'ai pas le choix. Je ne me laisse pas les libérer, donc... Il y a une plante ici. Je crois pas que je l'ai déjà vue. Ah si. Je l'ai déjà vue, celle-là. Je dois avoir aussi 75% des objets rares pour le platine. J'ai regardé, je suis à 53. Donc je pense que ça va être le plus long à faire. Après, je vais continuer toutes les quêtes, je vais essayer de faire tous les trophées, en espérant qu'en faisant les quêtes sur les chemins, en faisant les missions sur les chemins, je vais trouver certains objets rares. Du coup, les plantes font partie des objets rares, les enregistreurs du Nero aussi, des affiches, des publicités, les monuments. Je sais pas trop comment ils les appellent ça, les petites stèles là, avec une inscription historique. On verra parce que je suis pas encore au platine. Hein. Le platine sera pas pour aujourd'hui, ça c'est sûr. J'espère le platine pour la fin de la semaine. Après, comme je disais, je vais tenter Destroy All Humans, peut-être même le finir, même si j'y crois pas. Hein. Le finir, j'y crois zéro avant Biomutant. Mais c'est vrai que là, avec Biomutant et Ratchet qui vont sortir avec 2 semaines d'écart à peu près, ça va être un peu serré. T'es un peu ingrat avec lui, hein. I told you the infected were evolving. Right, yeah, freeze and freak. What the hell do I get? Uh-oh. The strain of the virus, its effects on the human nervous and lymphatic systems is accelerating at an exponential rate. They knew all along, of course, that it was happening. The men above me. That's why they were so cautious. So secretive. We're coming. I'm sorry. There's nothing you can do to stop them. There's nothing anyone can do. Incroyable. What the fuck? Regarde ce genre de truc. Mais ça te tisse tellement un Days Gone 2. Le fait qu'on n'ait pas de nouvelles de Coury aussi. Après, je me disais pareil pour O'Brien et au final on a de ses nouvelles. Mais des nouvelles qui utilisent encore plus un Days Gone 2. Le monde du Nero. Le Nero, l'organisation. Ah bah.
This is Radio Free Oregon. Oh. The truth shall set you free. Le dernier qui me manquait. You heard me talking about the black choppers, Nero choppers. Well, none have been sighted in days. But don't cool your heels just yet. Oh tiens, il reste une horde ici. Je croyais que j'avais tout fini dans cette zone. Ça, c'est le dernier qui me manquait. Il y a 20 sermons, on va dire. On va appeler ça des sermons. De Radio Free Oregon. Radio Free Oregon. Il me semble que c'est ça le nom. Il y en a 20, c'était mon 20e. En plus, ça compte comme objet rare, donc ça m'augmente. C'est cool. Voyons voir si la horde est là. C'est quelle heure? 5h58 du matin, c'est peut-être un peu tôt. Peut-être qu'ils sont pas encore revenus dans la grotte. Et vu que j'entends rien, j'ai pas l'impression. Mais du coup, ouais, comme je disais, c'est totalement un teasing d'un 2, quoi. Que les mutants mutent, logique, évoluent, qu'ils vont devenir plus intelligents, plus puissants. Donc, comme je disais hier, j'espère vraiment qu'ils vont revenir sur leur décision et qu'ils vont effectivement faire un Days Gone 2. Il y a tellement de potentiel. Je le veux, moi, ce jeu, je le veux. Les émotions. Est-ce que tu dois te donner un jeu, des émotions? Ça du coup. Ronce remarquable. J'entends des ennemis par là-bas. Triangle. Voilà. Alors je ne sais pas à quelle heure exactement la horde revient dans sa tanière. Mais vu la taille de la caverne, déjà moi je sens une grosse horde arriver. Hein. On sauvegarde. Et on va recharger la save pour faire charger la horde. Car elle ne charge pas tout. Des fois elle charge toute seule, comme tout à l'heure hors stream je faisais une horde. J'étais rentré dans la grotte, elle était pas là. Je fais un pas en dehors de la grotte. J'entends des bruits de zombies derrière, elle avait pop. Mais très souvent j'ai l'impression qu'elle ne pop pas, t'es obligé de recharger la zone.
Là, il me semble que si je réussis cette horde, je passe niveau 3 chez Copland. J'entends pas du tout de bruit, je pense pas qu'elle soit revenue. Je passe niveau 3 chez Copland. Et ça me fera le trophée d'avoir le rang allié chez 3 camps différents. Je vais me perdre à chaque fois ou quoi? Je disais aussi hier, t'as tellement de possibilités avec les Reapers restants qui viennent pour se venger, la milice restante qui vient pour se venger, quelque chose avec les anarchistes qui sont pas du tout exploité dans ce jeu. Tu peux tellement faire de choses. Après, malheureusement, ça, pour l'instant, pas de suite prévue. Mais comme j'ai dit, ça peut toujours changer. Il y a des licences qui reviennent alors que c'était pas prévu qu'elles reviennent. Alors niveau objet rare, je suis à 57%. Il me faut 75% pour le trophée. Personnage, je suis à 48. Renseignement du héros, seulement 53. Alors que j'ai l'impression d'avoir fait la plupart des trucs du Nero. Labo de Sarah, 100%. Radio Libre Oregon, 100% aussi. Discours du colonel, 100%. Ça, non découvert, des trucs d'anarchistes que j'ai même pas trouvé. J'en ai même pas trouvé un seul. Tourisme, 60%. Plaque, seulement 44%. Herboriste, 66%. Ah, et le guitariste, 50%. C'est vrai que je pourrais retourner dans le camp. Ah. Pour moi, la horde, elle est là. Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, la horde. Et à chaque fois, c'était dans le désert, dans le cimetière. Après, je la rencontrais la nuit. Traînée au cimetière. Donc, je sais pas où elle est cachée durant le jour. Mon arme de mêlée, elle est vraiment classe, hein. Pour moi, logiquement, elle serait cachée dans la grotte là-bas, mais ah, attends, je vais aller récupérer de la ferraille. Tant qu'on y est. Il y a ferraille, il y a airbag. Ah, je suis full en airbag. Je ne sais même pas à quoi ça sert les airbags, je ne sais même plus. Ah, silencieux. Petit tuyau, ça? Ouais. Une classique de Olincha, ça.
petit tuyau. Oh, du kérosène, tiens. Je prends. On va retourner voir la grotte, hein. Pour moi, normalement, de jour, il devrait être dans la grotte. Et qu'il craigne la lumière. Laisse-moi un peu descendre tranquillou. Sans prendre de dégâts si possible. Vraiment tombé d'une façon humiliante, hein. En plus. Au niveau chiffon stérilisant, je me suis un peu refait, mais c'est quand même pas terrible, hein. Oh là, j'entends des zombies par contre. Il me semble que c'est une grosse horde en plus, hein. Non, visiblement, il n'y a rien. Ouais, je vais aller sauvegarder puis recharger la zone. C'est étonnant que dans une grotte aussi grosse, aussi grande, il n'y ait pas de zombies. Alors que c'est 10h ou 11h du mat. Ah non, 9h41. Mais bon, ça reste quand même très lumineux dehors. Les hordes, elles traînent pas dehors la journée. On va sauvegarder, on va recharger. Et on va bien voir. Ouais, là par contre, j'en entends bien. Ah quoi? Mais déjà? Là, je m'y attendais pas. Je la voyais bien plus grosse, cette horde. Oh, encore un coup pour... Allez, on va éviter l'épilepsie, là. On va tuer les derniers au corps à corps, sinon... Boum et boum. Meilleur ami pour la vie et au-delà. Obtenu le niveau de confiance allié auprès de 3 camps différents. Trophée obtenu. Là, je vais avoir un appel de cop. De cop. Beacon St. John,
this is Copeland. I just wanted to let you know that Peaceful Lake appreciates all that you're doing for us. You made a difference in a great many lives. Donc ça c'est fait, ce trophée. Est-ce que j'ai pas eu un point de compétence? Non. Alors il me reste quoi comme trophée? Il me reste faire un drift, drift avec turbo de 5 secondes. J'ai essayé tout à l'heure, j'y... J'avais essayé en faisant le turbo en premier, peut-être que c'est faire le drift en premier. Oh! Récupère-moi ça. Attends, j'ai... Ici, il y a sûrement un bidon. Ouais, voilà. Ah, c'est pas ici que j'ai affronté pour la première fois une brute. Ça me dit quelque chose, hein. Ah, j'ai utilisé tous mes chiffons par contre, mais bon. Oh, à l'intérieur ça a l'air d'être bondé. Bondé de... Pas du tout. Très bien, c'est juste les portes et le lit. Le faux espoir. Oh, quelqu'un qui s'est suicidé, je crois. C'est triste. Oh, oh, oh. Pas mal ça. On va moyen de contourner. On va mettre le fuel et on va stepper, mais où? Alors là, ça je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Car du coup, je vais regarder mes trophées. J'ai le trophée chasseur de maraudeur. Terminer le scénario chasseur de maraudeur. Mais je n'ai aucune mission pour ça, pour l'instant. J'ai... Attendez, vous ne verrez rien là. J'ai chasseur de camp ennemi. Exterminateur, chasseur de maraudeur, fin du monde. À finir. Alors, je vais regarder scénario. En cours. Exterminateur. Ah, très bien. Ah. Intéressant, ça. Je savais pas qu'il donnait des missions directes d'ici. Non. Je me suis dit, en changeant, ça va peut-être... Ça va peut-être me remettre tout en haut, mais non. Alors du coup, je vais me TP là-bas, parce que c'est sûrement ma dernière mission pour chasseur de maraudeurs. Alors, je ne pense pas que j'ai... Oui, j'ai largement pas assez pour aller là-bas. D'ailleurs, il y a un camp ennemi que j'avais fait... Il y a quelques semaines avant de stream, je me souviens, il était buggé. Il y avait 15 ennemis à éliminer. Et en fait, j'avais une brute à mes basques. Une brute qui me suivait. Et je me suis dit, mais attends. Au lieu d'essayer d'échapper à la brute, pourquoi je l'amènerais pas dans le camp ennemi? Et donc, je l'ai emmené, elle a éliminé 11 ou 12 personnes. Moi, j'en avais éliminé 3. Sauf que du coup, ça me mettait qu'il manquait une personne. Mais j'ai cherché de partout, je la trouvais pas, donc je sais pas si elle avait été tuée. Mais le jeu considérait qu'elle était encore en vie, ou si elle avait pas pop.
Mais j'avais cherché dans le camp, aux alentours, je trouvais pas. Et ça m'avait bien saoulé ce truc. On va voyage rapide ici. Ensuite, on va faire les missions. Ça, c'est cool, ça, qu'on puisse continuer des missions. En espérant trouver des objets rares aussi. Ah, là, j'aurais dû. J'étais dans le camp où j'aurais pu écouter la chanson. La chanson du guitariste. Ce qui m'aurait fait un objet rare en plus. Oh. Et il y a l'air d'avoir beaucoup d'ennemis ici. Hein. Vu ma minimap, comme elle était rouge. Oh oh oh! Salut les gars, je ne fais que passer. En vrai, les hordes, je m'étais dit, je pense pas que je vais m'en occuper. Ça a l'air d'être chiant, ça a l'air d'être long. Mais ce matin et cet après-midi, j'en ai fait plein et je m'attendais à ce que les hordes, elles ressemblent toutes, ou presque, à la horde de la Syrie qu'on voit durant le jeu principal. En fait, il y en a, c'est. Il y en a, je tuais 3 zombies, il y avait 20% de la vie, 25% de la horde qui était morte. C'était. Il y en a des fois limite tu te promènes dans le monde et tu croises des zombies, ça, il y en a plus que certaines hordes. Ah, il y a mon Tokiwoki qui. Je pense que cette mission, si je l'avais fait avant la fin du jeu et avant de déserter la milice, j'aurais eu un texte, j'aurais eu un dialogue. Mais vu que la milice a disparu, bah, il n'y a pas le mec de la milice qui m'a donné la mission me dire il n'est pas là pour me dire oui vous l'avez localisé nanana on le veut vivant. Par contre, je vais peut-être me faire encore quelques hordes, même si j'en ai plus besoin maintenant. Vu que j'ai augmenté mes camps en niveau allié, c'est ce que je voulais. Ah, je l'ai pas eu, headshot. Allez, c'est bon. Peut-être faire d'autres hordes parce que ça donne beaucoup d'XP pour les points de compétence. Les points de compétence, il m'en reste encore 3 ou 4, il me semble 4. Ah, elle est là la zone de recherche. Je la voyais pas sur la minima. Encore une horde. Oh, oh. Il y en a de partout des hordes. Je pourrais ramener la horde ici et les laisser se débrouiller, mais. Non, merci. Mais c'est vrai qu'ils ont installé leur camp à côté d'une horde. Je pense pas que ce soit le meilleur plan. Je suis dégoûté.
Comment ça, j'ai pas de silencieux? Comment ça? Mais attends, pistolet paralysant, mais... Mais je l'ai pris quand, ce truc? Voilà. Sors ta tête, non? S'il fait une troisième feinte... Ah! Ah quoi? Ah, je pensais qu'il avait un casque. Et visiblement non. He's just running around. And you're just... Ah! Mais... And you're just dead. 4 balles de pistolet quand même. Hein. Je sais que le pistolet c'est pas une des plus fortes armes, mais... Oh oh! Ils ont tiré là-haut, tu crois. Je vais juste... Regarde, je vais juste pister moi. Je vais laisser se débrouiller entre eux. Oh oh. Bon écoute, on les laisse se débrouiller. La horde, si elle veut venir après, je suis ouvert. Et pour l'instant, on les laisse entre eux. Ouais, c'est nul. Hein. Mais je suis entouré. Punaise, mais ils viennent d'où tous? Quoi? Ah oui! Ah, je suis mort. Et bien entendu, je dois recommencer du coup toute la mission. Je dois redétruire le camp. Retuer les gens du camp, bien entendu. Ouf. Ah, trop loin pour le headshot. Oh, je suis au bout. J'ai un peu trop sous-estimé l'IA là. J'ai cru que j'aurais pu lui faire une assassination furtive. Attends. Tiens. Et voilà. Tu t'es. Laisse-moi un peu tranquille, mon pote. Attends, on détache. On va pas gaspiller quand même. Ah oui, mais par contre, c'est comme ça que je vais attirer la horde. Je suis bête.
T'as rien entendu? T'es sûr? Moi aussi, je sais où t'es. Il y en a encore là-bas. Là, par contre, ils vont totalement attirer la horde. Bah venez les gars, on va faire du petit corps à corps, non? Ça va partir sur du petit one shot. Alors du two shot. Toi du one shot. Mais il va balancer un caillou ou quoi? Ça va pas exploser? Ah non, c'est un fumigène. Il bouge trop vite pour moi. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Je suis pas le meilleur en visée, hein. Je le sais. Par contre là j'entends de la horde, c'est pas bon. Hein. Quoi, stérilisant quand il est max? Alors là c'est très étonnant. C'est très étonnant. Je vais dire c'est très étonné. Qu'est-ce que je raconte moi? Je comprends pas trop où ils veulent que j'aille. Il se passe quoi? C'est quoi ces bruits chelous? Rapporter la preuve de la mort. Mais je dois le rapporter à qui du coup? Car du coup la milice n'existe plus. Donc le mec qui m'a donné la mission, c'est sûrement... Déjà c'est sûrement Coury. Ah non, Weaver. Enfin, je pense que c'était Coury qui m'avait donné la mission, mais vu qu'il est, il a déserté, il faut que je ramène à Weaver. Le seul de la... Bah, au final, c'est lui qui a repris la milice. Après les folies du colonel, dont on a mis un terme, dont Sarah, plus précisément, a mis un terme, nettoyer la zone infestée, ils sont chiants. Bah du coup, on va regarder si on n'a pas des trucs à faire ici. Bah bien sûr que si on a, je pense. Hurleur d'Oregon Sud. C'est où sur la carte? Ah c'est ici, Oregon Sud, justement. Quarante-deux, c'est énorme. Mais en fait, j'ai compris, exterminateur, c'est juste range de ouais l'école. Ah quoique, j'allais dire c'est le nom des quatre régions, mais non, pas du tout. En tout cas, Oregon Sud, ça a l'air d'être ici.
encore un camp ennemi là-bas. Sûrement le dernier d'ailleurs, qui me manque. Ah non, c'est ici, Oregon Sud. Le 19 nids sur 42. Mais attends, je vais m'occuper de ça. Juste. Ah oui, mais je dis je vais m'occuper de ça, mais pour ça il faut des molotovs. Et des molotovs, j'en ai pas à l'appel. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas fou non plus, quoi. Dans les drifts de plus de 5 secondes, j'y arrive pas. Hold on, I never did finish burning out this nesting zone. Déjà se débarrasser d'eux. Sinon ils vont m'embêter. Franchement, ces histoires de nids, je les préfère limite plus que les hordes. Les hordes j'aime bien, hein. Mais je sais pas pourquoi les nids, j'aime trop y aller discrètement. Les hordes justement c'est ça. Les hordes tu peux pas être discret. À part pour placer le premier coup, les deux premiers coups. Mais sinon, c'est full bourrin. C'est full piège, full explosif. Là, justement, tu dois être discret. Tu dois être stratège pour te frayer un chemin. Et détruire tous les nids, c'est... J'aime bien. Il y a moyen d'en attirer un, non? Vas-y. Tire-le tout là-bas. Pendant que tu fais ça. Je me demande si ça passe ou pas. Ou si je vais me faire repérer. Visiblement, c'est passé. Par contre, ça en a tiré pas mal. Hein. Visiblement, ils aiment pas trop les... Oh ! Mince. Les feux de joie. Ouh ouh ouh. Mais attendez les gars. Vous me prenez pour qui? Croyez j'ai pas détruit plus que ça? Un petit headshot? Bah. Même pas. Je l'ai un peu trop ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oh là là. C'est pas moi qui parlais de discrétion il y a quelques secondes. Oh là là, mais vous êtes... J'aimerais bien redevenir discret, là. Mais je peux pas. Oh, ma visée légendaire. Oh, quelle honte. Quelle honte. Je vais trop doucement sur le stick. Oh, encore une horde, là. C'est moi un peu tranquille.
Voilà. Il y a des plantes ici. Du coup, le cinquième nid. Je l'avais déjà localisé. Donc ça va. Boum. Tu viens toi? Ah, c'est pas vraiment celui que je voulais, mais ça me va aussi. Hein. Regardez l'intelligence de l'IA, qui ne voit pas ce qui se passe à 1 mètre d'elle. Tu l'as entendu, ce caillou? Rejoins tes pentes. Tiens, il y a quelqu'un par là-bas. On va pas prendre de risque, on va l'attirer aussi. Dans le même buisson que ses compatriotes. Bon, soit attiré là. Bon, il veut pas. Hein. C'est pas grave. Ouais, il est très proche. Attends. On va essayer de l'attirer par là-bas, elle. Pour être sûr de pas être embêté. Attends, je vais récupérer ça avant. Parce que je vais sûrement courir là. Station du chemin de fer de cascade. Exterminateur 77%. Sprint. Où est ma moto? Je la vois pas. Je suis aveugle. Elle est sûrement par terre. Oh là là. Je me tire. Alors d'autres infestations, les gars? Me faire part? Je vois surtout des hordes, moi. Infestation de l'école de Kelmut. Kelmut. Ou Shelmut. Je ne sais pas. Oh oh, il y a un rageur derrière. Peu importe où tu te promènes, tu trouveras toujours un trouver la horde comme objectif. J'espère que l'infestation elle est pas à l'endroit où il y a les alarmes. D'enclencher. Non, j'ai pas eu le trophée, mais j'arrive pas à ce trophée, hein. Y a encore. Pourtant, j'ai la nitro au max. Je comprends pas. Burning out this infestation zone. Punaise, le nid en dessous. En même temps, c'était trop facile, hein. J'étais tout seul. Il n'y avait aucun ennemi. Forcément que le nid était en dessous. Je prends de la mécanique, je prends. De la mécanique, de la ferraille. Oh oh oh! Bah alors, on est encore en vie, là?
Mon pote. Tu me prends pour qui? T'as des amis, non? Parce que tout à l'heure, d'une voiture de police, il y a trois zombies qui sont sortis en même temps. Ils sont quand même... Ça, c'est des zombies évolués, c'est pas possible. Pour penser à des stratagèmes pareils, quand même... quelque chose. On va réparer, tiens. Comme ça, je peux récupérer ça. Et maintenant, on va descendre. Visiblement, elle me laisse tranquille. Plutôt sympatoche, ça. Ah oui, j'en avais détruit que 2 sur 6. Alors, 1, 2, et ça c'est quoi? C'est une horde ça. Donc il y en a 2 que j'ai repéré, et un troisième que je n'ai pas vu. Denis. Ah, et bien sûr, c'est à l'endroit où il y a les alarmes, bien entendu. Très bien, je crois que je ne fais pas le tour par le bon côté. Maintenant, il va me dire, ah oui, je dois finir de brûler ces nids. Ou cette zone d'infestation, comme il dit parfois. Répare ta moto. Franchement, le fait qu'on ait besoin de 2 fois moins de ferraille pour la moto, ça régale quand même. L'entrée de l'école est juste là. Et c'est cool qu'il nous pousse à... Avec les trophées, qu'il nous pousse à finir ce genre de mission. Parce que Lenny, même si je vous ai dit que j'aimais bien, franchement, s'il n'y avait pas besoin pour le platine, j'aurais pas fini. Hein. Et c'est pas des missions chiantes. C'est des trucs que je trouve sympathiques à faire, moi. C'est pas des missions à la Death Stranding. Death Stranding que j'ai kiffé, hein. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est mon GOTY 2019, je le mets devant Days Gone. Mais à la fin, les missions, c'est juste du grind pour le platine. Platine que j'ai abandonné. Enfin, peut-être que j'y retournerai un jour, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Mais tout au long du jeu, même si c'est des quêtes dites FedEx, tu kiffes, tu prends ton pied, tu découvres les paysages, et puis c'est un but ce que tu fais. À la fin, certes, ça, c'est un but, car ils ont toujours besoin d'être livrés, mais je trouve que c'est juste du grind. En plus, tu dois avoir la meilleure note. Alors que là, c'est sympathique, ça. Attends. Une petite bombe là-bas. Et ça régale. Oh, ça a même détruit le... Il y en a un seul qui a survécu. Et ça a détruit l'alarme. Ça régale. Ce petit carnage là. Allez hop. T'es.
récupère ce qu'il y a ici. Résidu de nid, ouais. Il y a quoi là-dedans, je me demande. Tiens, un gars du Nero qui avait une bouteille de bière. Eh ben, ça les fédéraux. Le pistolet ICNA, je crois que ça s'appelle. Pistolet paralysant IPCA. Je l'ai jamais utilisé, je ne sais même pas depuis combien de temps je l'ai, pour être honnête. Il y a lui. Donc je connais la location. La localisation plutôt. Location, c'est en... en anglais. Par contre, le dernier, je devrais fouiller un peu. Hein. Voilà. On va les laisser un peu tranquilles. Et fouillons un peu pour trouver le dernier. L'alarme elle rend fou. Hein. Par contre, c'est vrai que les alarmes, je les désactivais tout le temps. Mais en laisser une activée, faire en sorte que tous les zombies se regroupent autour, puis balancer une bombe, c'est vraiment le bon plan. Hein. D'accord que je l'ai déjà ouvert, ouais, voilà. J'ai déjà tout fouillé. Après, je peux peut-être, voilà. Maintenant que j'ai besoin de chiffon, ouais. C'est toujours cool de revenir. Oh, bandage, yes. Ah, je me régale quand même. Il y a quoi ici? Ah, j'ai déjà. Oh, il m'a entendu? Mais. Oh mince, je l'avais détaché, pas attaché, je suis au bout. Oh non, c'est lui! En plus, c'est lui là, il est super vénère. Il va me détruire. Je sais qu'il est pas résistant au corps à corps, mais par contre. Il me donne une patate, je m'envole. C'est même pas une blague, hier il m'a donné un coup, mon perso il a littéralement volé. Oh tiens, tu me régales toi. Ce qu'il a gratuit. Alors il faut que je trouve le dernier nid. Il est peut-être pas ici mais... Oui oui. Avec la bombe je vais tenter. Avec la bombe, avec l'alarme je vais tenter. Tu m'as pris pour un débutant. Voilà. On récupère ce qu'il y a là, du kérosène, il y avait quoi d'autre? Pas un endroit pour la nid, à moins que je l'ai déjà détruit ce nid. Ouais. Donc je suis pas sûr qu'il reste un nid. Si j'en ai détruit 3 ici, le dernier nid doit être en bas, je pense. Cherchons le dernier nid. Mais moi je me demande vraiment s'il est pas en bas quoi.
qu'ici je vois pas où il serait. Mais il les a pas récupérés. Tiens, un bidon. Tu me régales. On va aller revoir ma belle moto. Et on va descendre pour voir si le nid est pas en bas. Ce qui est toujours une possibilité. Oh, tiens. Quoique je dis en bas, mais il n'y a pas de en bas en fait. J'ai l'impression qu'il y avait deux zones différentes, mais non. Ou si j'étais vraiment en haut, je sais plus. Je perds la tête. Si j'étais en haut. Ok. Oh, il m'a pas vu, ouf. Ben non, j'étais là, mais... J'ai vraiment pas de sens de l'orientation. Hein. Du coup, je ne sais pas où est le dernier. Il y a 6 nids, j'en ai que 5. Ou peut-être le dernier. Là-dedans, non. Quelle est cette lumière là-bas qui me rend fou? Arrêtez là avec ces lumières clignotantes. Ils pensent vraiment pas aux épileptiques. Hein. C'est fou. Là, j'ai détruit le nid. Là, il n'y a visiblement pas de nid. Je ne vois pas où est le dernier, honnêtement. Je suis dans le flou. Le flou le plus... Attends. Il me semble que je l'ai détruit là-bas. Ouais. On va chercher un peu plus loin, écoute. Ah bah, je pense que c'est là, hein, puisque je suis encore dans la zone des nids. Je pense que le dernier est ici. Rien. Ah si. Il a fait un câble. Mais pas intéressé. Oh. Du polystyrène. Pourquoi je veux toujours dire polyester? Quoique il est là, il est là.
s'il y a un nid par là, mais où? Alors là... Ah ah, tiens. Mais c'est peut-être un nid que j'ai déjà détruit du coup. Je viens d'y penser, à cette hypothèse. C'est quand même bien tout... tout détruit. Hein. Ouais, il y avait sûrement un nid là que j'ai brûlé. Mais du coup, je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas où pourrait être le dernier. Je suis quand même allé assez loin là. Pour au final. pour au final être déçu, excusez-moi. Je reviens au même endroit. Ah non, c'est pas le même endroit. Ah. Ah. Mais qu'est-ce que je suis bête. C'est fou, hein. Alors, il n'y a rien en haut. D'accord. Je finis de fouiller ça. Et si je trouve pas, je pars, je change d'endroit. Je reviendrai plus tard. D'un moment quand tu trouves pas, tu trouves pas, tu peux pas changer les choses. Ah. Mais. Ah, comme j'aime pas quand c'est sur ces tables, c'est souvent buggé pour le récupérer. Donc je monte sur la table quoi pour le récupérer. C'est pas un nid, ça, on est d'accord. Non, bah écoute, je sais pas. On va aller voir ces infestations au sud. Ça, on va le laisser pour plus tard. Moi, sur le chemin, je la trouve, mais. Je crois pas énormément. Oh, oh vénère. Je vais retourner prendre... Ah mince, je suis dans le mauvais sens pour ma moto. Je commence à partir là. J'étais en train de m'endormir.
Bon, c'est long alors. Allez. Ah, il y avait un pont à traverser. Donc je n'ai pas besoin de traverser parce que je suis Dickinson John. Et je fais ce que je veux. Je peux pas enlever la marque. Bah, je peux sûrement aussi. Je l'enlèverai la prochaine fois que je vais sur la map, si j'y pense. C'est bon, je suis full en trousse de secours, merci. Deer Crossing, ah, something's never changed. Oh là là. Oui, non mais. Bien entendu le combo hein. Oui, non. Le sniper il attaque que moi. Rappelons-le. Oh non, ça a bougé au dernier moment. Oh, attendez. Battez-vous entre vous, les gars. Allez-y, les gars, je vous en prie. Je vous en supplie, je dirais même. Oui, non, mais ils sont en groupe, là. Oh bah. Elle l'a one-shot. Oh bah, là, tu me regardes, là, parce que... Moi justement je les one shot pas. Attends. Ici, tutu, molotov. Faut essayer de voir maintenant. J'ai l'impression que ça c'est bon. Ni détruit. Attends, mais elle est où, la zone d'infestation? Il n'y a que des hordes en fait. Il n'y a que une horde que je dois chercher plutôt. Écoute, je vais aller au camp ennemi. Je suis très étonné de rien avoir d'autre. Et surtout, c'est j'ai l'impression que j'ai pas eu la validation de la mission, surtout, c'est ça. Donc pour moi, il manque quelque chose. Est-ce que... Ah oui, 3%, oui. J'étais en train de me dire, est-ce que je la répare? Bah oui. Effectivement, je dois la réparer. Ces phases en moto, quand tu t'es levé à 3h du mat, je pense que c'est pas bon pour toi. Hein. Là, je suis en train de lutter contre le sommeil qui approche. Quoi, on m'a vu? Comment tu peux me voir? Je suis un peu dégoûté du coup. Hein. Do this.
Chobou, j'ai pas eu le temps de tuer. Ouais, je t'avais pas vu, toi. Trousse de secours. Toujours sympathique. Boum. C'est du one-shot d'humain, ça, cette arme, donc. Attends, mais c'est la milice, ça? On dirait la milice. Ah, oh. J'ai un peu trop fait le show. Ah, j'avais lu camp ennemi de Bay Bay. De Babe Bay. Je comprends pas, il était lent mon perso. Bah bien sûr, je suis bête. Je viens de comprendre à quoi servait le petit tuyau. On va faire une bombe tuyau, logique. Je suis vraiment bête. Il me semble qu'il lui en faut 4 pour mourir. Ah non. Ah oui, non mais ça y est aussi. Écoute. J'étais en train de réfléchir quoi faire, mais... C'est dommage parce que là je m'étais arrêté en plus avec ma moto, j'avais pensé à m'arrêter avant. Parce qu'il m'arrivait très souvent de m'arrêter à l'endroit qui était marqué sur ma carte, sauf que c'était le camp et donc je me faisais repérer. Voilà, double headshot, donc je peux me casser ici tranquille. J'arrive pas à l'avoir. Je sais plus ce que je disais. Quoi? Casse-toi! Mais c'est incroyable! Qu'est-ce que tu fous? Mais baisse-toi! Je spam haut! Depuis que je l'ai tué, je spamais haut. Hein, pour qu'il descende. Et je spamme pas genre tac 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 tac. Hein. J'appuyais sur O, j'attendais une seconde, je voyais qu'il bougeait pas, je réappuyais sur O. C'est n'importe quoi. Enfin c'est rond, je sais que c'est pas O mais... Moi j'ai toujours dit O. Voilà. Oui je l'ai tué. Si vous continuez vous allez tous finir pareil. Tu vois pas que j'ai tué deux de tes amis à cet endroit-là? Tu viens là. Mais vous êtes bête ou quoi? Vous sautez dans la gueule du loup? Quoi, les deux tirs ils sont passés à côté? Le premier je veux bien, le second... Je pense qu'elle m'a pas vu et qu'elle pense encore que je suis là-bas. J'ai l'impression en tout cas. On va voir où elle tire. Si elle finit par tirer un jour. Ah bah. Limite elle m'a oublié. Quoi? Il y en a encore un? Oh là là, au dernier moment, elle a bougé. Mais
Sous le mot. Ah, c'est bon. Incroyable. Et là, par contre, je vais me régaler niveau loot. Hein. Vous avez tous décidé de vous regrouper ici. Bah ouais, mais c'est full bourrin. Ah oui, ce que je disais, c'est que d'habitude, je pensais jamais à m'arrêter avant. Donc je m'arrêtais à l'endroit qu'indiquait la map, sauf que c'était la zone et donc je me faisais capter. Mais là, j'avais pensé à m'arrêter avant et je me fais capter quand même, c'est rien. C'est quand même assez gênant. Ah, c'est une buggylarde en plus, yes. Une buggylarde, j'avais jamais vu bouffer quelqu'un. Il avait toujours marché avec sa façon bien à elle. Ah, moi j'étais pas. Oh! Oh 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 mon pote! Mais c'est la milice ça, bien sûr que c'est la milice. Il y a du poison ici. Ah tiens, c'est ici. Alors il a l'air de manquer un ennemi. Hein. Visiblement. Il a l'air visiblement de manquer un ennemi. Ah oui, 16 sur 19, il en manque 3 même. Ah oui, 19 quand même, c'est beaucoup. Hein. Maintenant, il faut trouver où sont les 3 autres. Ah, j'en ai un. Il a l'air d'être seul. Alors, je ne vois pas s'il a un casque. Il a un casque, visiblement. On va balancer un caillou devant. Pour être sûr qu'il ne se retourne pas. Ah tiens, le SAF. C'est une arme que j'ai toujours appréciée, je t'avouerai. Mais je sais pas, j'ai une petite référence pour la mienne. Même si le SAF, j'aime bien. Il me semble que je la jouais beaucoup dans Uncharted. Premier du nom. Je confonds peut-être, mais... Faire des ricochets. Comme il dit à la chanson. Ah mince, il a un casque. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as vu? T'es où? T'es sur le toit? Non, même pas. T'es où? Je vais te bouffer. Il va sortir un Here You Are. Mais elle est où, elle? Tu peux tirer à travers toi? Ils peuvent être détruits par des explosifs? Bah écoute, on va s'amuser. De toute façon, je peux en fabriquer plein de ces trucs d'ailleurs. J'y pense jamais. Et approche-toi plus proche. Vous pensez qu'elle a compris? Genre si je mets un caillou, est-ce que ça va la tirer? Non, ça la repousse justement. Oh là là. Et fouiller le bunker.
Il faut que je le trouve, le bunker. Vous trouvez ce bunker. La zone est quand même assez grande. La zone de recherche. Ah, il est là. Ah, le corps qui a fondu dans le sol. Y a-t-il ici? Enfin, de toute façon, il n'y a pas grand chose à part un lit pour dormir, une carte. Chasseur de gants et nuit. Tiens, une horde découverte. Mais surtout, ce que je veux voir, c'est s'il y a encore des camps ennemis. Ah oui, l'infestation de hurleurs. Bon, je suis pas totalement occupé. Hein. Je suis où, moi? Je vais descendre au sud, m'en occuper. Voilà, ce camp ennemi, je l'avais vu tout à l'heure. Je m'en suis toujours pas occupé. Et je crois que c'est... Ah non, il y en a encore un, là. Lui, par contre, je l'avais pas vu. Écrit 2, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas encore vu. Parce que par exemple, tu vois la horde là, elle est dans un lieu que j'ai pas encore visité. Donc, rapporté à preuve de mort, ah oui, j'ai oublié ce petit détail. C'est quoi ça? Ah, on peut faire des voyages rapides maintenant. Tu sais quoi, je vais faire un petit somme. Maintenant, il faut que je retrouve l'échelle avec mon sens de l'orientation vraiment nul, mais bon, elle était quand même assez visible. Je vais pas. Ouf, j'ai failli tomber. Je vais pas gaspiller un C4 pour ça. Surtout qu'au final, je dois venir ici. Là, il y a les corbeaux. Ils sont là, visiblement. Je vais me faire attaquer. Est-ce que ça détruit les deux ou pas? J'ai l'impression que ça détruit tout. Par contre, je vais me faire attaquer, là. Je sais pas s'il pense que je l'ai pas vu, mais je l'ai vu. Ah! Oh non! Le moteur est détruit.
Bah ouais, à cause de l'eau. Oh là là. Des ennemis volants. Terrible. Mais laissez-moi. Oh, c'est bon là. Vous êtes chiant. J'ai même pas eu. Ah si, c'est bon. Bah ouais, ils vont même pas me laisser réparer en plus. Ah, je peux pas réparer. Faut que j'aille là pour réparer le moteur, très bien. Bien entendu. Ajouter de la ferraille, on peut pas sur... sur la rive. Sur la rive, sur l'eau. Ah, pas fini. Aller voir le dernier nid à pied, c'est juste à côté. Après on sprintera avec la... On sprintera. On accélérera, on partira avec la... La moto. Je suppose... Ah si, les deux brûlent en même temps. Allez, on va où là? On va ici. Oh, il y a un truc du Néron en plus. C'est cool. L'eau, ça détruit la moto. Et je continue d'aller dedans. C'est un vrai site de recherche où je vais juste trouver un... Quoi? C'est qui m'attaque? Oh! C'est lui en plus. Oh! Défoncé. Attends, je l'ai pas touché là? En plein sur son museau là. Oui, là je suis d'accord. J'ai essayé d'anticiper, mais il a été plus intelligent. Non, mais je l'ai touché. Et il veut pas me faire un grab comme ça. Je réussis le QTE. Grab-moi, non? Non, il veut pas me grab. Hein. Tue-moi, non? Non, il m'a saoulé, j'ai soit il me grabe, soit il me tue, très clairement. Non, mais je crois que s'il me grabe, il me tue. J'ai plus assez de vie pour survivre. Oh, j'ai raté le QTE comme un débile. Allez, c'est bon. Je spam, je m'en fous. Tu m'as saoulé. Quoi? Et réellement, je l'ai tué? Alors que j'avais même pas envie de le tuer. Il m'a fait perdre trop de balles. Et trop de soins. Allez, oh là là. M'a fait perdre une trousse de soins, quoi. Allez, dépêche.
Ils sont chiants, eux, à venir de nulle part, alors. À être super résistants. Le truc Nero. Il est juste ici. Oh, il est en haut en plus. Ah oui, il était vraiment tout proche. Hein. Juste en dessous, je suppose, donc. Il y a quelques dégâts. Ouais, c'est ça. Dans cette zone, il y a... J'ai l'impression qu'ils ont tout détruit, en fait, du Nero. Mais ils ont laissé ça. Alors que c'est le meilleur, quoi. Il va peut-être dû prendre la vie. Je pars pas dans le bon sens là. Allez, on va voir un dernier truc du Nero. On va augmenter la vie cette fois. L'endurance, je suis déjà augmenté à fond, c'est pour ça que je peux pas l'augmenter plus. Ah, tiens. J'ai repéré la horde au moins. Oh, ils sont nombreux là. Les gars, qu'est-ce que vous foutez? Oh. Il y a un rageur. Les gars, laissez-moi un peu tranquille. Laissez-moi un peu. Bah il est bugué lui. Je sais même pas pourquoi je vais le tuer puisqu'il était bugué. Oh il m'a mis un double en tombant mais... J'aurais vraiment pas dû le sauver. Hein. Ça je suppose qu'il en faut 8 ou 9. Ouais et du coup j'ai pas assez de ferraille. Après j'ai vu une voiture où on pouvait récupérer de la ferraille. Bon, il s'est retourné. Je vais essayer de récupérer les munitions discretos. Ah là-bas, c'est carrément un checkpoint du Nero. Il faut rétablir le courant et tout. Et avant que j'oublie, on va couper ça pour rien enclencher. Moto, elle est... Oh, ça va encore. C'est quoi, je répare. Hein. Du coup, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Demain après-midi, je stream.
Donc demain vers les 15h jusqu'à 16h30, ce sera du Days Gone encore pour continuer sur le platine. Et demain soir, de 18h45, 18h50 à 21h, ce sera du Returnal, retour après 3 jours sans jouer. J'avais besoin de cette pause, en plus ces derniers jours je suis très fatigué, donc sur Returnal ça, j'aurais juste craqué. Mais j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de souffrir encore une fois, de ne pas avancer. Donc voilà le programme de demain. J'ai personne pour raid. Il n'y a personne en live, donc je vais vous laisser ici. Donc je vous souhaite bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas mangé. Et à la prochaine. Bye.